Ok, les amis, allez, let's go, c'est parti, on va récupérer un petit peu de bois et... Oh, oh mon dieu, mais c'est quoi ça? Non mais regardez-moi ça, c'est un lance-flamme, c'est juste incroyable! Ça, c'est Minecraft, les amis, et aujourd'hui, j'ai ajouté un lance-flamme, vous allez voir, ça va être juste extraordinaire. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'été, donc je compte sur vous pour qu'il y ait une pluie d'abonnements. Allez, let's go, c'est parti, les amis, n'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Ok, les amis, allez, let's go, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai ajouté un mode qui me permet d'avoir un lance-flamme. Et oui, vous avez bien entendu, les amis, c'est un lance-flamme. Vous allez voir, ça va être juste incroyable. On va cramer tout ce qu'il y a sur notre passage. Et bah écoutez, c'est parfait. Voilà, pioche en main. Et puis bah écoutez, on va aller récupérer un petit peu de pierre, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Voilà, vous allez voir, ça va être juste trop bien. Et puis bah écoutez, aussi dans ce mode... et bah tout simplement il y a un objectif. Et l'objectif c'est qu'il y a des items pour faire le craft du lance-flamme qui sont cachés dans un village. Donc bien évidemment on va essayer de trouver un village, les amis, et trouver ces items, parce que sans ces items là et bah je pourrais rien faire. Bon bah regardez moi ça, il y a des attroupements de meux. Et bah écoutez, on va aller prendre leur nourriture. Comme ça on pourra quand même se nourrir un petit peu, parce que sinon on va être dans la mouise très rapidement. Allez, viens par ici meux. Voilà, c'est parfait. Oh, je suis désolé, bébé, je vais tuer ta maman. Oh, je suis désolé. Bon, il y a ton beau-père, là, qui est juste ici. Allez, vas-y. Ton beau-père, je crois que tu l'aimes pas trop. Allez, let's go, c'est parti. Boum, boum, boum. Et voilà, c'est parfait. On a réglé le compte des vachettes. Et puis, bah, écoutez, let's go, c'est parti. On continue l'aventure. On va aller petit à petit dans des grottes pour tout simplement trouver un petit peu de pierre, avoir des outils en pierre. Comme ça au moins on n'est pas trop mal. Bah écoutez, c'est parfait. Ah, ok, je m'y attendais pas trop. Allez, viens par ici toi mon pote. Allez, boum, boum. Et voilà, c'est parfait les amis. Donc là vous allez voir, le craft est pas si compliqué que ça. On va devoir aller dans le nether. Donc bien évidemment, bah on doit aller récupérer un peu de fer, un peu de diamant, un peu de ci, un peu de ça. Vous allez voir, ça va être juste incroyable. Et puis bah écoutez, hop là, on va essayer de speed un petit peu tout ça. Comme ça on ira en finale essayer d'aller tuer le Warden avec le lance-flamme pour savoir si c'est possible. Donc allez, let's go, c'est parti. Alors, au passage, on va pas s'en priver, on va prendre du gravier, voilà, comme ça au moins c'est fait, on aura déjà le début du briquet. Ok, c'est parfait, maintenant on va récupérer un petit peu de charbon, comme ça on va pouvoir faire chauffer le fer et tout ce qu'il y a à chauffer, voilà. Et puis bah écoutez les amis, on va aller chercher le village avec les items qu'on doit avoir pour le craft avant d'aller dans les grottes. Comme ça au moins c'est déjà fait, et comme ça après on passe tout notre temps dans les grottes. Après on va dans le nether et après on peut craft tout simplement le lance-flamme. Let's go, c'est parti. Et bah ça, si c'est pas magnifique, regardez-moi ça, on a fait du tout droit. Et ça y est, c'est bon, on vient de tomber sur un village. Et bah j'espère qu'il y a des coffres et qu'il y a ce que je cherche. Allez, c'est bon, c'est parti, je me crois à quoi là pendant un instant pour aller rejoindre le village. Et ça y est, c'est parfait. Et bah écoutez, ça va prendre du temps pour faire toutes les maisons parce que je peux plus courir, hein. Alors, et bah écoutez, première maison, il y a rien du tout, il y a juste un lit. Bah écoutez, c'est parfait, il y a du blé, donc bah écoutez, on va le récupérer, ça sera plus simple que de faire chauffer de la viande, d'attendre et blablabla et blablabla. Bon, après vous me direz, la viande ça nourrit quand même bien plus que du pain. Alors attendez, vous pouvez m'expliquer un truc? J'ai jamais vu autant de blé de ma vie. Et bah ça y est, regardez-moi ça, on vient de trouver une maison avec un coffre et oh. Yes, c'est bon, c'était ce village qu'il fallait trouver les amis. Et yes, c'est parfait, on a le redstone comparator. Voilà, c'est parfait. Et puis bah écoutez, on a un end rod. Oh bah ouais, bah je prends les amis, je prends. Et bah voilà, c'était les deux items qu'on a besoin pour faire le craft. Enfin, qu'on a besoin pour faire le craft. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis bah écoutez, let's go, c'est parti, on vient de dormir. Donc là on a fait passer le jour. Et puis bah écoutez, maintenant on peut aller directement dans les grottes. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc là on va juste faire du pain. Au passage on va aller tuer le golem. Donc allez, viens par ici. Allez, viens, allez, viens. Allez, t'y es presque. Mais c'est pas possible, bouge tes fesses. Je sais que t'as un gros train-train, mais bon quand même, allez. Eh, ça y est, c'est bon, c'est parfait, on est monté sur notre piédestal, et là, on va pouvoir le tatawiner, et boum, mon pote, allez. Et voilà, ça y est, c'est parfait, on en a eu 3, et bah, pile poil assez pour faire une pioche en fer. Donc là, ça nous arrange, et allez, let's go, c'est parti, on se retrouve directement dans les cavernes. Et ça y est, c'est bon, on est dans les grottes, et bah, écoutez, maintenant, on va récupérer un petit peu de fer. On va peut-être, pourquoi pas, se faire une petite armure en fer, comme ça, on sera pas mal protégé. Parce que, de toute façon, en plus de ça, on doit aller dans le nether, aller récupérer un bâton de blaze.
Donc bah écoutez, les Blaze, ça te tabasse quand même, hein, donc une petite armure, c'est toujours le bienvenu. On va aller en face, bande d'œil. On n'est pas tombé, ça fait du bien. Ok, bon, je me suis cassé la figure, mais c'est pas grave. On a ce qu'il faut, juste ici, voilà, du fer, ça c'est cool. Et ça y est, voilà, regardez-moi ça, on est dans une super caverne. Donc là, franchement, si vous me dites qu'il n'y a pas de diamant, je pète un câble, hein. Ok, je me suis encore cassé les jambes, encore une fois, en descendant. Mais bon, ça, c'est pas grave. On a l'habitude, hein. Oh là 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 là, ça y est, les amis, du diamant. Oh là là, il n'a pas fallu attendre très très longtemps pour trouver nos premiers diamants. Et ben voilà, c'est bon, c'est fait, c'est juste trop cool. On en a trois en plus. Oh là là, oh, toi, t'as voulu te faire la malle avec moi, hein, dans le trou, hein, c'est ça? Et ben viens par ici, je vais te régler ton compte. Ah! Oh là 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 là, ils sont beaucoup. Et ça y est, c'est bon, c'est parfait. Réglage de compte fait. Et puis, bah écoutez, on va chercher encore un petit peu, hein. Je sais pas trop quoi. Bah, encore du fer. Ok, toi, mon pote, tu vas passer un sale quart d'heure avec moi. En plus de ça, t'as raté ton tir. Bah là, tu l'as pas raté, mon pote, hein. Mais non, regarde-moi ça. Oh, encore du diamant, les amis. Oh là là, la dinguerie. Ah, bah, cette fois-ci, c'est juste un diamant. Et bah écoutez, c'est déjà mieux que rien, hein, moi j'ai envie de dire. Bon, de toute façon, on en a plus cassé, on peut faire notre pioche en diamant, donc ça c'est juste trop cool. Et puis bah écoutez maintenant, c'est du fer qu'on cherche, donc là c'est parfait, il y a du fer ici. Et puis bah écoutez, on récupère encore ce fer là, et je pense que ça devrait suffire avec le fer là que je vais récupérer encore là. Et bah écoutez, on va mettre tout à chauffer, voilà, pour pouvoir se faire une belle petite armure, pour se faire un beau petit briquet et un beau petit seau. Oh là là, la dinguerie, c'est un diamant. Dis-moi que c'est du diamant. Oh, c'est du diamant! Oh, regardez-moi ça! Oh, incroyable, incroyable! Eh bien, écoutez, on va le récupérer, hein. C'est toujours mieux que rien, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est toujours trop, trop cool d'avoir du diamant. En plus, ah! Ça va péter et j'ai plus beaucoup de vie. Au secours, au secours, au secours. Ok. Le premier archer, il attaque l'autre. Ah! Ok, je suis pas très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai un cœur. Comme vous pourrez dire, c'est pas vraiment la panacée, hein. Clairement, là, je suis dans la mouise. Et allez, Banzai, mon pote! Allez, viens par ici, toi. Allez, allez, allez. Ouf! Oh là 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 là, c'était chaud. Et ça y est, c'est bon, on a récupéré le diamant. Maintenant, on se taille. Et là, on va juste tuer des creepers parce qu'il nous faut de la poudre de creeper. Donc allez, let's go, c'est parti, on va en profiter, il y en a plein. C'est la grotte rêvée pour avoir tout simplement de la poudre. Donc allez, let's go. Allez, toi, viens par ici aussi. Allez, je vais régler ton compte. Boum, mon pote. Allez, troisième client. Normalement, le troisième client, il fait pas trop chier, hein. Il s'aligne avec les autres, hein. Bah, t'as aligné, mon pote. Eh bah, oui, c'est aligné. Eh bah, c'est parfait, tout ça. Bah, écoutez, on va en chercher d'autres. Regarde-moi ça, il y en a plein ici. Donc, allez, let's go. Et le dernier coup. Encore du diamant, les amis. Mais on va pas le récupérer parce que là, nous, on cherche... Oh, oh là là. Oh là 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 là. Non. Incroyable. Sans chercher, je suis tombé dessus. Non. Bah, c'est la caverne du Warden, pour tous ceux qui ne sauraient pas. Voilà. Hein, clairement, c'est ça. Et bah voilà, je l'ai trouvé. Non, la dinguerie. Mais non. C'est la première fois que je la trouve sans chercher. Bah écoutez, les amis, on repère l'endroit. Voilà, on le garde un petit peu de côté dans notre tête. Et puis comme ça, on pourra aller tuer directement le Warden. Ça, c'est vraiment trop cool. Et bah écoutez, on va continuer avec les creepers, les amis. Par contre, là, ils sont beaucoup, hein. Ah! What? Non, il y a beaucoup de creepers, là. Non, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui... Ah! Ok, bon, bah c'est pas grave, il a explosé pour tout le monde, et au moins, moi j'ai récupéré des poudres de creeper. Ok, bon là c'est chaud les amis, bon bah écoutez, on va faire un truc, on va poser la table de craft, non, pas des fleurs, la table de craft j'ai demandé. On va faire trois petits beaux fours, voilà, hop là, comme ceci, là on va diviser ça par trois, voilà. Et ça y est, c'est parfait, le fer est en train de chauffer, et bah écoutez, il reste plus qu'à attendre. En attendant, je vais quand même faire ma petite pioche en diamant, comme ça au moins c'est déjà fait. Et puis bah écoutez, ça y est, c'est bon, le fer est chauffé. Regardez-moi ça, je me suis fait une belle petite armure en fer. Et là maintenant, on est fin prêt pour aller dans le Nether, pour aller chercher un bâton de blaze, et ensuite, aller faire le craft du lance-flamme pour aller tuer le Warden. Et bah voilà, c'est parfait, regardez-moi ça, même pas besoin de saut. On a déjà l'obsidienne de fête, et puis regardez-moi ça, un beau petit diamant encore une fois. Non mais ça c'est juste extraordinaire. Bon bah écoutez, pour le beau geste, on va quand même prendre une source d'eau, on va quand même inonder par nous-mêmes, et ça y est, c'est parfait. Et bah écoutez, let's go, c'est parti. Nous on récupère un petit peu d'obsidiane pour faire le portail, donc allez, let's go, on se retrouve quand j'ai les 16 blocs d'obsidiane. Et ça y est, c'est parfait, on a nos 17 blocs, donc là maintenant on fait le portail, et voilà, c'est parfait. Et bah écoutez, maintenant on prend le briquet, hop, on allume et on passe. Et ça y est, voilà, et bah regardez-moi ça, on est dans le bon biome, celui que je préfère le plus au monde dans le Nether. Et puis bah écoutez, maintenant il reste plus qu'une chose à faire, c'est de se pavaner dans les plaines du Nether pour tout simplement trouver une forteresse. Ah, mais c'est pas possible, j'arrive pas à monter. Donc je disais tout simplement de trouver une forteresse pour aller tuer des Blaze. Est-ce que tu peux, toi? Mais vous aussi? Oh mais non, mais c'est pas... Ah! Ouh,
j'ai les fesses qui chauffent. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok, Néoflix, t'arrêtes pas de courir, t'arrêtes pas de courir. Et oh non, c'est un bastion. Non, c'est une forteresse. Oh, c'est une forteresse. Non, mais c'est n'importe quoi. Je vous jure, le portail est juste à côté. Regarde-moi ça. C'est de là où je viens, la forêt. Mais c'est incroyable. Oh, le jeu a envie que je speed run le lance-flamme. Oh, c'est juste trop cool. Alors attendez, on va peut-être pas faire de folie, on va peut-être pas sauter comme ça, hein, surtout avec un cœur. Imaginez, je prends un cœur, cœur de dégâts, et ben je suis dans la mouise. Et ben écoutez, on va plutôt monter par ici, donc allez, let's go, c'est parti. On va s'insérer doucement mais gentiment dans cette forteresse. Et ça y est, c'est bon, on est dans la forteresse, et ben ça tombe bien, regarde-moi ça, petit coffre. Oh là là, encore du diamant. Eh, mais on a vraiment beaucoup de chance dans cette vidéo, clairement, de trouver autant de diamants. Et ben écoutez, ça y est, regarde-moi ça, on a trouvé deux mob spawners à Blaze, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et non, mais pourquoi tu montes aussi haut? Laisse toi faire. Ok, c'est bon, le premier mort. Ok, est-ce qu'on a eu un bâton? Non, on n'a pas eu de bâton. On n'a pas de chance. On va se recroqueviller là-bas parce qu'on a vraiment plus de vie. Donc là, c'est critique. Et ça y est, c'est bon, on a retrouvé notre vie. Allez, boum, boum, mon pote, boum. Non, mais s'il vous plaît, donnez-moi. Oh, mais j'ai pas de bâton. Oh, oui, c'est bon, on a notre bâton. On va quand même, au cas où, le tuer pour en avoir un deuxième. Voilà, et bah parfait, regardez-moi ça, on en a deux, c'est tout ce qu'il nous fallait. Et puis bah écoutez les amis, maintenant on peut repartir à la casa, tu vois, pour aller faire le lance-flamme les amis, et pour aller détruire le Warden, pour voir l'efficacité de ce lance-flamme. Et ça y est, c'est bon, on est de retour dans la grotte. Et bah écoutez les amis, alors attendez, je vais juste regarder qu'est-ce qui me manque, ou si j'ai tout. Donc, on a les Blaze Rod, donc ça c'est bon, on a le comparateur, c'est bon, on a l'End Rod, c'est bon, on a un stick, c'est bon. Et bah, il nous manque plus qu'une seule chose les amis, j'avais complètement oublié. Bon bah c'est pas grave, on va remonter quand même à la surface pour aller le récupérer, c'est tout simplement du sable. Et ça y est, c'est bon, on est de retour à la surface, donc là on cherche un petit peu de sable. Donc j'espère qu'il y en a à côté, ça pourrait être quand même plutôt cool. Et bah ouais mon pote, regarde, il y a toujours du sable. Donc allez, let's go, c'est parti, on en récupère un petit peu. Et ça y est. Et bah écoutez, on va redescendre dans les grottes, à côté de l'ancienne cité du Warden. Comme ça, on est très proche et on peut lui flamber la figure comme jamais. Donc allez, let's go, c'est parti, on redescend. Et bah ça y est les amis, donc là je pense qu'on est pas mal. Et puis là-bas maintenant, let's go, c'est parti, place au craft. Donc là, premièrement, on va faire une TNT. Voilà, c'est ça le craft de la TNT. Boum, voilà, on a la TNT. Et puis bah écoutez, on va la placer au centre. Là ensuite on va mettre le comparateur juste ici, on va mettre un stick ici, on va mettre l'endrod en haut, on va mettre un bâton de blaze juste ici, et il me manque un truc, encore une fois, j'ai complètement zappé. Non mais c'est pas possible. Ah bon, c'est bon, il y en a juste à côté, ça c'est quand même plutôt cool. Donc allez, c'est bon, on recommence pour la énième fois, voilà, et cette fois-ci c'est bon. On répète ce qu'on a fait, donc la comparateur, stick, TNT, et ensuite l'endrod au bout, et là... Boum, ça y est, c'est bon les amis, on a le lance-flamme. Wouah, il est incroyable. Oh là là, oh la dinguerie. Est-ce que ça tire loin? Oh oui, ça tire super loin. Oh, regardez-moi ça, ça tire quand même plutôt loin. Oh ouais, oh regardez-moi ça. Oh, j'ai fait tomber le gravier. Oh, incroyable. Oh, mais regardez-moi ça, jusqu'où ça tire. Non mais c'est incroyable. Oh, attendez. Oh, je vais me faire plaisir. Alors attendez, on regarde l'efficacité de ce... Eh ben écoutez les amis, je sais pas comment je suis mort parce que tout simplement j'avais full vie. Donc là, on va le reflamber et on va voir les dégâts. On peut le faire à l'infini. Oh ouais. Bah si, je viens de comprendre comment je suis mort tout seul par ma faute, je me suis flambé moi-même la figure. Et puis bah écoutez, ça fait des dégâts le lance-flamme. Oh, regardez-moi ça, on a one-shot l'araignée. Bon, les zombies, on les one-shot pas, les squelettes. Ah, on les one-shot pas. Ah bah si, regardez-moi ça, le squelette est mort. Ah non, 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 il est pas mort, pas encore. Bon bah écoutez, on va tester sur un creeper. Ok, le creeper, c'est du one-shot. Donc c'est quand même plutôt cool. Le squelette, on sait toujours pas. Ah bah voilà, je suis mort par moi-même. Bon bah écoutez les amis, tout ce qu'on peut dire de ce lance-flamme, c'est qu'il est quand même plutôt pas mal, hein. Il fait pas mal de dégâts. Puis bah écoutez, je vais vous le lancer juste pour que vous voyez quel design il a. Comme ça, vous pourrez mettre une note sur le design et sur l'efficacité. Donc regardez-moi ça, hop là. Wouah! Oh, mais je me rendais pas compte de à quoi ça ressemblait. Mais il est magnifique! Et bah écoutez, les amis, maintenant que vous avez vu le design et que vous avez mis une note sur l'efficacité de ce lance-flamme, et bah écoutez, on va essayer d'aller tuer le Warden. Donc allez, oh! Ok, flambe-toi! Donc allez, c'est parti. Maintenant, on essaye de tuer le Warden. Et oh là là là, ça y est, on a trouvé
l'ancienne cité. Donc voilà, ça c'est cool. Et puis bah écoutez, maintenant il reste plus qu'à attendre à ce que le Warden spawn. Donc nous, ce qu'on va faire en attendant, bien évidemment, c'est d'aller chercher peut-être 2-3 petits trucs dans les coffres, genre histoire de survivre un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire genre des pommes shit, hein, pourquoi pas. Bien évidemment, il n'y en a pas quand on en a besoin. Mais au moins, il y a des potions de régénération, donc ça c'est quand même plutôt cool. Oh ça y est, il est apparu les amis, il est apparu. Eh bien écoutez, let's go, c'est parti. On va essayer de le tuer les amis avec le lance-flamme. Oui, il prend de sacrés dégâts. Est-ce qu'on va réussir à le tuer à votre avis les amis avec un lance-flamme? Oh, 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 on l'a tué. On l'a tué tellement rapidement. Oh là là. Oh les amis, c'est la première fois que je tue le Warden. Oh, on a tué le Warden avec le lance-flamme. Oh, c'est tellement puissant. Il est tellement... Oh non. Non, il y en a un deuxième. Allez, flamme. Flamme, 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 flamme. Ok, let's go, c'est parti. On va voir combien on peut en tuer au maximum avec ce lance-flamme. Let's go. Eh bien, écoutez, j'ai un problème, les amis. Mon lance-flamme ne peut plus marcher. Ah, si. Ah, ouh. Si, si, il remarche. Ok, il y en a deux, là. C'est moi qui déconne ou quoi, là? Il y en a deux, là, qui ont spawn. Oh, oui, 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 oui. Il y en a deux. Ok, faut pas courir. On va l'enflammer comme ça. Let's go, c'est parti. Ok. Ouh. Allez, viens par ici, mon pote. On va y arriver. Oui, on a tué un deuxième Warden, les amis. Oh là là, la classe. La classe, il y en a un troisième juste ici. Allez, let's go, c'est parti, on les enchaîne, hein. Oh, mince. Eh ben écoutez, voilà, c'est bon, les amis, je suis mort. Bah, pas par le Warden, mais par moi-même. Voilà, je suis tombé dans mon propre feu de mon lance-flamme. Eh ben écoutez, c'est pas grave. En tout cas, on était en train de déglinguer le Warden. Ça faisait vraiment ultra plaisir. Et c'était la première fois que je tuais un Warden. Ou la deuxième fois. Je crois que c'était la deuxième fois. Mais réellement, dans l'ancienne cité, c'était la première fois que je le tuais. Voilà, chez lui, à domicile, hein, comme on pourrait dire. Et puis bah écoutez, ça faisait quand même plaisir de tuer le Warden. Et puis bah écoutez, vous avez pu vous rendre compte de l'efficacité de ce lance-flamme, voilà. Donc bah écoutez, si vous voulez changer votre note ou bah tout simplement vous aviez pas mis de note, et bah vous pouvez en mettre une sur l'efficacité et sur le design de ce lance-flamme. Moi franchement, j'ai surkiffé de craft ce lance-flamme parce que franchement, il est juste trop puissant. Et bah écoutez, et bah voilà, c'est tout simplement la fin de la vidéo les amis. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'été. Donc je compte sur vous pour qu'il y ait une pluie d'abonnements. Allez, let's go, c'est parti les amis. N'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous êtes vraiment les meilleurs. Et moi, sinon, sur ce, je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.